C'est bon? Voilà, donc les cadets, même réglementation que pour les juniors seniors, le premier qui passe la ligne a gagné, donc nous sommes à 8 tours de l'arrivée. Bon, chez les cadets, ça se regarde un petit peu, voilà, tout le monde s'observe puisqu'on connaît un petit peu les tenants et les aboutissants de chacun, ceux qui sont plus vite que les autres, ceux qui sont plus forts que les autres. Donc nous avons aujourd'hui une forte délégation du Vélosport 31 ainsi que le Villeneuve de Lausanne, voilà, des clubs qui sont habitués à pratiquer la piste. Vivement réagi, voilà, et contre se dessine avec Aurélien Costoplane, Pavel Sivakov, Cameron Héritage, Maxence Moncassin, Simon Lullier. Voilà, Maxence Moncassin qui prend la tête devant Pavel Sivakov, Aurélien Costoplane, Cameron Héritage, Simon Lullier. Et Lucas Gracia. Voilà, c'est l'ordre pour le moment. Découvert à l'avant. Il manque 5 pieds à la relève. Pas mauvais. Ça prend l'héritage légèrement décroché à l'avant. Voilà, tout le monde s'observe derrière les cours de Villeneuve. Tout ceci à 4 tours de l'arrivée. 4 tours de l'arrivée. Voilà, tout le peloton se reforme. Alors que les minimes se demandaient au portillon de se préparer pour le départ. Trois tours à l'arrivée. Voilà, ça s'observe là-bas. Personne ne veut prendre l'initiative d'attaquer Pavel Sivakov qui attaque une nouvelle fois. Voilà Pavel Sivakov qui est coureur de la soirée russe qui va représenter donc la Russie aux prochains Jeux Olympiques de la Jeunesse, les Fauges, et Maxence Moncassin donc qui va représenter la France. Voilà, trois coureurs sélectionnés par nation. Voilà, tout le monde s'observe, c'est le jeu du chat et de la souris qui va l'emporter. Peut-être tout le monde va attendre le sprint. Alors que nous sommes à deux tours de l'arrivée. Et de nouveau, donc Pavel Sivakov, Aurélien Costoplane qui le prend en chasse avec un petit peu plus loin Maxence Moncassin et Simon Lullier. Voilà les quatre premiers coureurs du scratch. Voilà Aurélien qui rejoint Pavel Sivakov. Alors que nous allons entamer le dernier tour, nous allons entendre la cloche. Voilà Aurélien Costoplane qui contre et qui essaie de partir seul à un tour l'arrivée. Prochain tour l'arrivée. Prochain tour l'arrivée. Allez,
Voilà, c'est l'arrivée en zone demi-tour, alors que Pavel Sivakov se rapproche d'Aurélien Costeplan. Ensuite, nous avons Maxence Mocassin et Simon Lullier. Voilà, Vélosport 31 en tête, Saint-Gaudens, Saint-Giron et en fait Vélosport 31 encore. Voilà, c'est l'arrivée. L'arrivée sur la ligne, messieurs. Bon, alors que Simon Lullier va l'emporter facilement. Voilà, un vélo d'avance pour Simon Lullier.